Et ok! Et salut à tous, c'est Régalco, on est parti pour de nouvelles aventures! Salut Kurunaito, désolé pour cette attente d'introduction assez débile. Mais comme pour la précédente opus, j'ai peur qu'il y ait une petite introduction avant l'annonce du jeu, même si vous l'avez maintenant vu. Donc on va lancer tout ça et au moment où l'aventure va commencer, je vais en parler, etc. pour faire vraiment les bonjours, mais pour l'instant, un petit peu de roleplay, je sens. Allez, en français, évidemment. Voulez-vous jouer en français? Oui, évidemment. Allez, j'espère que le son est nickel chrome, évidemment. Allez, à tous les coups, c'est l'autre abruti qui va nous emmerder. Non, non, pas lui, pas encore. Non. Évidemment, sa voix, je ne l'ai pas oubliée, c'est le seul. C'est trop fort. Attends, je suis pas prêt. Oups. Pardon, juste une seconde. Bonsoir. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement, Alola? La même. Alola est une région composée de plusieurs îles, un archipel en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Et ouais, Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Blir. Ce sont de drôles de bestioles, ces Pokémon. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer, en passant par les grottes et les hautes herbes. Ça me fait peur, c'est le même intro. Je me suis pas trompé quand même. Alola, notre est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon. Disputer les combats Pokémon, c'est leur hobby. Rocabo. Bombidou, du calme. Je suis occupé là. Je jouerai avec vous plus tard. Enfin bref, j'ai besoin que tu me confirmes 2-3 trucs. D'abord, c'est laquelle ta photo déjà? Est-ce qu'on ne jouerait pas une fille pour changer? Non, évidemment que non. Quoique, ça pourrait le faire. Oh Yuri. Bon, on voit qu'il y a un chapeau sur la tête, ça change de... Mais sinon c'est à peu près les mêmes tronches. Allez, on est chaud patate pour jouer une fille ou... Non. On va rester sur les mêmes aventures. Oh, j'ai peur. Jouer une fille. Une fille qui aura une bonne homme. Ça va me faire bizarre de jouer une fille. J'ai jamais joué de fille dans Pokémon. Je joue toujours que des beaux mecs. Bon, c'est l'une, allez, on respecte rien. Allez. Bien celle-ci. Oui. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom. Ça m'ennuierait de faire une faute. Je m'appelle... Je m'appelle Ori. Oricalcos avec un E. Non, on va rester Oricalcos quand même. Oricalcos. Je suis Oricalcos. Girl Power. Ori, c'est bien ça? Oui, tu l'as oublié. Abruti, va. Parfait, je vais transmettre ça à tout le monde. Non, pas encore. Je faisais des cauchemars. Tout le monde va être au courant maintenant qu'il va y avoir une nouvelle. Ori. Tu sais qu'on a un champion qui s'appelle Ori aussi. Un délire. Oui, c'est un nom à la mode, et alors? Ah, c'est un nom qui me botte, ou plutôt, qui me botte secrète. Bon, on se verra à Lola, j'ai hâte. 4 mois plus tard. Bonjour, je viens de Kanto, je m'appelle Ori. Ah bon, à plus. Oui, il va falloir commencer à préparer les cartons. Non, pas les cartons. Euh...
Ah oui, il y a une différence. Oui, j'ai eu peur. Tout va bien. Hein. Non, on connaissait pas. Je me disais, merde, c'est les mêmes intros, c'est le même truc, ça me fait peur. C'est bon. On est bien sur Pokémon Ultralune. Ah, bande de petits farceurs, Game Freak. Ah, faut dire, pour sortir un jeu pareil aussi rapidement, oui, il fallait prendre les mêmes trucs, hein, avec peu de changements. Oula, c'est plus 4, c'est 3 mois. Et je viens de Johto, en fait, je suis plus proche. C'est trop bien que je vienne de Johto. Évidemment, on est dans la dimension lune par défaut, je pense que c'est pour ça qu'il fait autant de nuit noire dégueulasse. Au moins qu'il y a des choses qui ont changé. Oh, c'est un Meowth d'Alola. Regardez. Une petite fille envie de chatte, apparemment. Désolé de dire ça. C'est la même maison avec des fleurs. C'est la même maman. C'est les mêmes scènes. C'est le même Meowth. Ah, notre première nuit à Alola. La lune est vraiment belle ce soir. Tu pourrais l'admirer pendant des heures. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a les cartons à déballer. Menteuse. C'est une grosse menteuse. Je suis sûr, je mettrai ma main à couper. C'est exactement les mêmes scènes, les mêmes trucs débiles. Donc je sais que les cartons, tu vois, je suis un peu devin. Les cartons, tu les feras pas. Mais on est obligé de spoiler, là. C'est les mêmes trucs. Meowth, sois un amour de Pokémon. Va me chercher Ori, cette feignante. Cette grosse feignasse. Ça valait le coup que je me suis rien spoilé. Enfin, je vais avoir des trucs à dire quand même. Et je sens qu'une certaine communauté Pokémon va s'en prendre plein la gueule. Oh mais, ne serait-ce pas un rond doudou? Et c'est quoi d'ailleurs? Pourquoi c'est encore plus badass les chambres de filles là? Pourquoi j'ai une putain de signature de je sais pas qui, mais ça a l'air d'être une super signature. Pourquoi j'ai un truc Pikachu à côté? Ah non, je me suis trompé, c'est un... Ah, ça déchire. Carton bouge jamais. Ah oui, c'est vrai. Allez, lève-toi. On se réveille. Mon chapeau, mon sac. Ta porte-manteau. Oh, quelle horreur. Pourquoi j'ai les couettes comme ça? J'aime pas. Ça fait moche. Ah, c'est mon gros pouf ronflex. Un piège capable de plonger quiconque ça soit. Dessus. Oh, la feignantise. C'est un autographe du champion de l'arène de Kanto. Lequel? Lequel? Good luck dessus. Ça vient de Kanto. Non, je viens de Kanto, regardez. Salut Meowth, ça va? La merde, tu cherches partout, allez bouge! Ouah, c'est une Nintendo Switch! C'était une Wii U avant. Maman! Je suis pas bachiste, mais franchement, les chambres de filles sont meilleures que les chambres de garçons. Eh bien, ma chérie, tu dormais comme un ronflex. Maintenant, tu as récupéré, tu dois être d'attaque. Non. T'as vu comme il fait doux, même la nuit? Le climat d'Alola, ça n'a vraiment rien à voir avec Kanto, enfin, c'est normal, on est si loin. Et je parie que tu as hâte de découvrir des Pokémon d'Alola. Oui, maman Unette, j'adore. Oh oui, maman a drôlement hâte, elle aussi. Ah oui, c'est vrai qu'elle parle d'elle à la troisième personne. Ça va pas manquer, donc. Alola est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont d'un naturel joueur et... Si tu allais faire un tour pour voir de tes propres yeux. Allez, va chercher ton sac et ton chapeau dans ta chambre. Et n'oublie pas de consulter l'ABC Aventure sur ton app. Bon, avant de poursuivre, j'avais dit qu'il fallait pas me spoiler. On m'a quand même spoilé 2-3 trucs. Surtout, quand j'avais envie, la veille, pendant que je mettais en ligne mes vidéos, je regardais justement, ça faisait longtemps que je les avais pas vus en plus. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors que je suis même pas abonné à leur chaîne pour dire à quel point ça me casse les couilles. Je vois des vidéos, enfin des putaclics de trash qui montrent et qui spoilaient des Pokémon que j'avais encore jamais vus.
Merci, Trash, de m'avoir spoilé par des putains de putaclic, des choses que je voulais jamais voir. Merci. Plus, je sais pas pourquoi YouTube, ils me forcent à regarder leurs vidéos, je veux dire. Pas que je les regarde pas, mais je suis pas abonné à leur chaîne, donc j'en ai rien à foutre. Même Newtiteuf, alors que je le vois plus souvent. Je le vois plus souvent, je regarde ses aventures, je regarde Pokémon Ranger, c'est des vidéos qui datent, mais je les regarde. Au moins, il n'y a pas de spoil, puisque j'y jouerai pas, donc je m'en fous de me spoiler. Mais au moins, je vois pas son aventure Ultra Soleil, Ultra Lune. Alors pourquoi Trash? Pourquoi le seul truc que je m'abonne pas? J'en ai rien à foutre de... Et je vous ai dit que ça... Non, je vais pas faire de scandale non plus, mais voilà, Trash. Vous savez que je les aime pas de base, alors je les aime encore bien moins. Le jeu est sorti il y a à peine un mois, alors laissez-nous le temps de respirer et profiter du jeu, merde. Je vais essayer de vous faire de la YouTube monnaie. Enfin bon, ouais. On va se calmer là-dessus. On va apprécier le jeu. Je me suis pas trop spoilé, donc tout va bien. C'est juste du putaclic. Parfait, te voilà maintenant équipé. De toute façon, les aventures en tant que fille, je sais pas, je connais pas. Et surtout, fais attention aux hautes herbes. J'ai tellement hâte que tu aies ton premier Pokémon. Bonne balade à Lily. À Lily, oui. Mais je sais. On sait qui est le doyen. On sait tout. Pour ceux qui ont suivi mes aventures. Mais je ne dirai rien. C'est la chambre de maman. Je ne devrais pas squatter ici. Ah, le panier de Miaou se trouve là. Je préfère dormir sur le lit des autres. Tu m'étonnes, t'as vu ce qu'il a. C'est un chat, c'est des gouttes de luxe. Ouais, allez, amusons-nous. Ma maison, complètement fleurie par rapport à la dernière fois. C'est ma boîte aux lettres. Ça s'appelle Shiori, hein, c'est pas chez maman Dori. Une planche de surf. Oh là là. C'est une voiture. Ah, c'est papa. C'est la voiture de papa, mais maman l'a piqué pour s'amuser à se balader à Lola. Elle va se rendre compte qu'à Lola, ben, les voitures, c'est pas bien. On prend des tauros. Ou des dracs au feu. Eh, je peux jouer avec vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, faut pas approcher d'un Pokémon en train de combattre, c'est dangereux. Ouais, il me le confirme, le Rokabou. Oh là là, ça commence déjà. Il y a des étoiles filantes. C'est bon signe, ça. Je suis en train de jouer à Pokémon Ultra Lune, hein. Je joue pas à Super Mario Galaxy. Oh, qu'est-ce que c'est un... Oh non, le centre Pokémon est en travaux. Ça se voit que c'est un centre Pokémon avec le toit rouge là comme ça, on l'a vu. Il y a des... Wow, eh, c'est plus animé quand même. Hein. Ils ont fait un effort. Jean monsieur. Bonne monsieur. Mademoiselle. Petite fille. Baby, si tu veux foncer, appuie sur le bouton B. J'arrive pas à m'ôter cette chanson de la tête. Mais c'est pas toi que je veux voir, c'est le Miaouz. Le Miaouz c'est moche. Non, c'est un Miaouz d'Alola. Il est trop moche. Autour de fleurs. Que c'est avec ça, là-haut? Monsieur, je sais courir en appuyant sur la touche B. Pareil que de nos jours, on peut s'amuser avec des gens du monde entier sans bouger de chez soi. Génial, non? C'est comme un grand festival tous les jours. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Elle l'a pris dans l'avion. Toi, en plus, ils ont pris l'avion. Ah non, il y a des hautes herbes et j'ai pas de Pokémon. Je ne peux pas y aller. Oh là là. Ça pue le script. Il y avait déjà des hautes herbes comme ça à la route 1? Quelque chose remue. Oh, j'ai les idées mal placées déjà. On a à peine fait 20 minutes d'aventure. Oh là là. Ça se rapproche. Hein? Un manque de temps. Oh non! Pourquoi? Amène Zozo sauvage! Ah, c'est reparti! On avait dit qu'on en reparlerait plus, merde! Oulala! J'aurais dû sauvegarder. Faut que je sauvegarde. Faut sauvegarder, hein. Entai!
Faut que je sauvegarde, j'avais dit que je faisais quelque chose. Donc Flamiaou, Hibou et Otari de merde. On l'a pas oublié celui-là. Ouais, merci les amis, je vous aime. Ohé. Eh, mais je te reconnais, Miss Théorie. Ça va, pas de bobo? Non. Mais par rapport à un autre Ori qui a failli tomber d'un pont, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Hein. C'était un Menzozo sauvage, c'est rien. J'ai rien compris. Je suis blonde. J'ai rien compris. Ça peut te rassurer, moi aussi, je suis scotché. Mes petits protégés se sont précipités pour s'interposer. Comme si ma vie en dépendait moins que la tienne, dis donc. Avec tout ça, je n'oublie presque le principal. Tu me remets? Non merci. Je suis Euphorb. Bienvenue à Lola, Miss. Tu vas voir, c'est le paradis des Pokémon. Non, j'ai des otaries de merde. Si, les gens et les Pokémon vivent en harmonie, tu vas voir. C'est beau à en pleurer. Et surtout, si tu as un Pokémon, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Raqueter des gens, ouais. Les Pokémon sauvages qui traînent dans les hautes herbes. Tu as un Pokémon avec toi, tu peux tout affronter. Même tes parents, tu les menaces. Mais désolé, je te tiens la jambe là. J'en oublie le principal, laisse-moi te présenter. Les Pokémon qui t'ont sauvé. Et puis... Bradibou. Le petit rondouillard tout doux, c'est Bradibou. Tu vas voir, quand il tourne la tête, tu vas croire qu'il se fait un torticolis. Ouais, il a vachement bien tourné la tête. Bien. Suivant. Le Noiro, tout feu, tout flamme, c'est Flamiaou, Pokémon feu. Un peu clair pour un Flamiaou. Et le joyeux Pokémon Pato, c'est Otaquin, Pokémon haut. Tout une otarie de merde. Alors écoute, tu vas rire. En fait, tu étais censé choisir un partenaire parmi ces trois-là. Mais en fait non, tu te démerdes toute seule, c'est trop bien. Ils l'ont peut-être senti, c'est pour ça qu'ils sont lancés à ton secours. Allez, choisis ton compagnon. Non, non, pas maintenant. Lequel te tente? Merde. On a un problème. Parce qu'il était prévu à la base que je choisis Otaquin une fois, à cause d'un gros débat qu'il y a eu. On est d'accord? Mais... une fois exprès pour tester un truc. Et j'avais dit que s'il était shiny, je le prenais. Mais s'il était pas shiny, je prenais Brindibou et on faisait l'aventure avec. C'est ce qui était prévu. Donc, ce qui va se passer, c'est que... parce que j'ai pas sauvegardé... je vais prendre Otaquin, je vais vérifier s'il est shiny. S'il est pas shiny, j'éteins, je recommence l'aventure et je fais un petit ellipse. Sinon, bah s'il est shiny, ben bah, j'ai l'air con, quoi. On fait comme ça. Surtout que la personne que j'avais promis est là, donc ne regrettera pas, non. Toto, Otaquin, il a une volonté inébranlable. Oui, j'avais compris. Il est trop cool, il fait des ballons d'eau. La merde. Tu prends Otaquin? Non. Je comprends, t'inquiète, c'est de la merde. Vas-y. Je vais le garder avant. Moi. Oui. Il est pas shiny. Ballon. S'il aurait été shiny, il aurait eu le truc rose au lieu d'être bleu. Nickel. Ça se voit pas encore. Oh, merde. Il me pisse dessus, ce con. Il m'aime pas. Il me déteste. Je vais vous donner un surnom à Otaquin. Oh, il est pas shiny. On va prendre Brindibou. Je vous déteste, les gens. De revenir sur ce que je dis à chaque fois. Je vais l'appeler laisser à l'abandon. Mais il n'est pas shiny, j'ai pas le droit de le garder normalement.
Kourou a rejoint votre équipe. C'est un jeu de mots. C'est l'abréviation de Kourou Naito. Comme ça, si j'ai envie de le frapper, bah, je le frappe, mon Otaka. Ça me ferait plaisir. Et Kourou, bah, prenez garde à son Kourou, parfois. Attention, son Kourou, c'est des ballons d'eau. Je choisis Otaka. C'est sûr que vous ferez un duo d'enfer. Hashtag, je mets des coups de pied. Hein. De toute façon, c'est un Pokémon pour filles, donc ça va, ça lui va bien. Brindibou, ça va pas. Eh, maintenant que t'es une dresseuse, tu peux affronter les Pokémon. Non, pas avec lui. Tiens, une Pokéball. Allez hop, tu rentres et tu fais pas chier. Un orbe, on va tomber à faire. Pour ce, en route pour Lily, il faut que tu ailles voir le doyen. Mais de quoi? Le doyen, Miss. C'est grâce à lui, c'est Otaka et ton compagnon. Ah bon? Un cadeau de sa part! Je vais lui casser la gueule. Je veux pas de Otaquin. Je veux. Apocalypse, tu me manques. Ah pardon, c'était quelqu'un d'autre. Faut que tu ailles lui montrer quel Pokémon t'as choisi, c'est le minimum. D'ailleurs, pour te faire des petits topos, les doyens et les doyennes sont les dresseurs hors pair. Y a pas meilleur qu'eux en combat Pokémon. Délire. Au revoir. Lily, c'est par là! On est obligé de tomber dans la pelouse! C'est drôle, hein, quand t'as pas de Pokémon! Alors que tu dois en choisir un! Toujours une île aussi pourrie, hein. Tu peux garder Otaka au chaud dans la Pokéball, ouais! C'est nickel, allez hop! Ouais, il est ravi, allez, go go go! Horrible de bas, ça tourne mal. Là, y'a un oiseau! Y'a des fleurs, c'est trop beau! Trop joli! Non, ta gueule, je vais pas te parler. Ah ouais, tu t'es, t'es là. Cool. Wow, regardez-moi cette animation que vous voyez à droite. Hein. J'ai bien remis le côté bas. On voit Kourou niveau 5 en petit. Ah, voilà, au moins ça... C'est plus le truc en peigne dégueulasse, voilà, ça fait un peu plus technique. Et là, on voit bien l'écran de combat par rapport au précédent opus. Ça y est, ils ont fait des améliorations. C'est logique, hein. Ils ne peuvent faire que des améliorations, voyons. Ils peuvent pas faire de la merde. On en reparlera quand on verra la pleine félicité. Hein. Attaque Vas-y, crache-lui la gueule. Ça prend déjà Pistolero au niveau 5, dis donc. Vraiment cheaté comme Pokémon. Mimique, regardez, je fais des paillettes. Je nettoie par terre. Bien. La même musique, mais refait. Ah, Kourou, il est vénère. Oh, j'ai 23 points d'XP. Oh, l'XP qui monte très très lentement. C'est pas bien, ça. Eh, monte niveau 6, regarde. Ah, j'ai pas de tâche d'alerte. Oh, c'est trop bien. Il est voyage dans l'herbe. Oh, il y a des nouveaux Pokémon qu'on connaît pas. C'est un Pokémon de la quatrième génération qui n'existait pas avant. Il est shiny, j'ai l'air con. La pourraille. Ça évolue bien en plus, ça peut faire. Ça peut méga évoluer en plus ce truc là. Je vais peut-être adorer. Dis-moi qu'il y a des Pokémon comme des Terraclops ou des Noctuneurs. Dis-moi qu'il y a des bons Pokémon là, s'il te plaît. Ah oui, on va voir. Attaque Moulin. Ok. On peut pas. C'est... Un truc qui manque, hein, c'est de renommer les attaques. Attaque Moulin. Kourou niveau 6. 2-2-2-1-2-1. J'ai pas regardé sa nature, mais on s'en fout, hein, c'est Kourou, hein, j'ai confiance en lui. Ah, il a pris un niveau, super, il a perdu 0. Regardez! J'adore quand il fait. Ah, merde, oui. Un Pikachu. Ah ouais, tu t'es. Non, fuyons. Bon, on va essayer de battre le record de l'école de dresseur. Sans game over. De toute façon, avec une fille, ça porte bonheur. Oh non, ce sont des rochers solides. Est-ce qu'il y a un Pokémon assez puissant pour tout démolir? Non, Otaka, il sert à rien. Ah bonjour, petite fille. On y est presque, vas-y. Neus, griffe.
Glou. C'est la première fois que je fais des imitations Pokémon. Je suis en forme ce soir. Je vais évoluer pour casser les culs. On y est presque, vas-y. Miaouz, griffe. C'est con quoi. T'as pas Miaouz toi, t'as Menzozo sauvage. Une pensée à lui, toujours. Non. À moins qu'il a renommé son manglouton Miaouz parce qu'il s'attendait à Miaouz, bon, je sais pas. Allez, go, go, go. Poussez-vous, je veux passer. Route 1, il faut bien commencer quelque part. J'aimerais bien dire où on commence notre vie, mais bon, je préfère mieux m'en parler. Tu peux utiliser les potions que tu ramasses sur ton Pokémon. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a une potion par terre qui traîne là. Oh là là, incroyable, elle m'a spoilé, salope. Pardon. C'est vrai, tout public. Tout public, tout public. On se calme, Ori. N'empêche, ça m'a spoilé, salope. Tout public. Même les gens du jeu. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est... dis. Tu vas prendre qui comme Pokémon? Hein? Dis. Ça se voit pas, non? Moi, c'est Tilly, enchanté. J'ai trop hâte de choisir un Pokémon avec toi. Du coup, j'ai pas pu attendre, je suis venu te trouver pour qu'on décide ensemble. Et juste un petit problème. Désolé. Waouh, classe, l'otaquin. Non, non. Mais attends, je le voulais. Bah, prends-le, pas de problème. T'as déjà choisi. Attends que je t'explique, Tilly, il y a eu un petit souci. Ori a eu quelques soucis. Et les Pokémon sont venus à sa seconde. Et il y a eu des petits soucis. Elle a dû choisir sans attendre. Je vais plus avoir de voix à la fin. Ah mais alors c'est genre un coup du destin. Oh, c'est trop bien. Tu peux choisir entre les deux autres. Je prends Flamme Yahoo. Trop bien. Barricader des chambres. Ce Brindigou ne sait pas tourner la tête. Il tourne ses pattes. Ouais, je suis trop bête. Je prends le starter qui est plus faible que le mien. Allô là, toi, mon nouvel ami. Et c'est quoi? Ben, le destin, il fait trop bien les choses. Tu vas l'appeler Flamby. Parce que c'est de toi que je rêve depuis que je suis tout petit. Tu vas voir, on va vivre des aventures formidables, toi et moi. Pourquoi j'ai choisi Otaka, putain? Pourquoi j'ai resté? Je voulais prendre un niveau. Mais j'ai oublié de sauvegarder. Faut que je sauvegarde. Mon sœur, vous allez prendre soin de Brindibou, pas vrai? Il peut compter sur moi! Il va évoluer lors du combat final et il va faire chier Ori. Je le garantis! J'aurai un ronflex aussi. Bon, Brindibou, prends dans ta Pokéball, allez hop! Un mot de chaud! Tellement content d'avoir Flamiaou comme partenaire. J'ai trop hâte de combattre à ses côtés. Je vais bien faire un combat entre nous, allez, go, go, go. Ouais, vas-y, tu sais pas jouer. Hop, pas si vite. Si vous voulez combattre, laissez-moi m'assurer que le petit otaquin est au top de sa forme. Ah oui, c'est vrai que c'est une version pour Noobie. Il y a un aspicot ou un chenipan, là. Il y a des chenipans qui vont venir nous interférer, là. C'est pas bien. Trop bien, on va bien rigoler. La même musique de merde. Ouais. Tilly qui sert à rien veut se battre. Ça se voit que les Pokémon que je connais pas, je suis à fond. Wouh! Envoie Flamby. Allez! Gros tas de morve. Crache-tu à la gueule. Ça peut déjà plus. Tout à cas, c'est un cauchemar. Waouh, ouais, Gourou est blessé, trop bien. Je ne vais pas aller au centre Pokémon. Flamiaou, il crache des flammes aussi dans la gueule, c'est trop bien. Crapounet. Hyper méga efficace de la of the dead. Bon, je vais éviter de faire les movesets qui sont en droit d'auteur, c'est dégueulasse.
Ouah, Kourou est niveau vénère. Par contre, même ses stats qui s'améliorent sont pourries. 2-1-1, 2-1-1, c'est de la merde. Ouais, Ori, moi je vais pas avec ce type. Il a flambi, c'est trop bien. Ah bah mince, première défaite. Ouais, premier combat aussi. Hein. Ah, Ori, raqueté sang, ouais, voilà, tu seras à ça. Otaka évolue. Waouh, comment t'es trop fort. Et ton Otaka, il est trop classe. En tout cas, merci, on s'est vraiment bien amusé, c'est tout ce qui compte dans un combat Pokémon. Et ben voilà, ça c'est du combat comme j'aime. Bravo Ori, Tilly, vous avez vous avez super bien géré, allez. Pas tout ça Ori, on va à Lily. C'est juste en haut des marches. Allez viens, on va à Lily. Alors qu'il y vient il y a juste 30 secondes. Attends. Une Pokéball. Mais il y a toute une montagne de touffes d'herbe devant moi. Faisons un détour. Ah, ils sont pas cons les développeurs. On s'est fait avoir. La fille. Eh bon, on critique pas les Flamiaou. Ils sont juste très très lents. Youpi! Je suis un Rattata niveau 2. Je me fais déjà one shot par un Kourou. Et le Kourou. Le Kourou de Kourou. Kourou. Je one shot tous les Pokémon, je pourrais plus en capturer. Je calme. Une potion. Non, anti-para déjà. Oh non, c'était un traquenard. Il y a un Aspico derrière moi. Ah ouais, tu t'es tu t'es tu t'es tu. On notera quand même qu'il manque du monde. Hein. On attendait un peu plus de monde pour l'annonce, mais je crois que je me suis trompé. J'ai mis Pokémon Soleil et Lune alors que c'est Ultra Soleil et Ultra Lune, mais je sais pas. Arrête de cracher la gueule de tous les Pokémon que tu croises, Kourou. Tu te calmes. J'arrive pas à contenir mon modo, c'est incroyable. Ah, ambiance de nuit encore plus fun. Lili. Et voilà, on est arrivé à Lili, tranquille. Délire. Trop bien. Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tocolico. Et lui est le gardien de l'île de Mélémélé, où nous nous trouvons. Bah mince alors, je vois pas le doyen. Et de dormir, t'as vu l'heure? Il est sûrement parti s'occuper d'un truc. C'est pas de tout repos d'être doyen. Oui, il est parti en sifflotant tout à l'heure. Bon, c'est pas tout ça, mais je file à la maison. Faut absolument que je montre Flamiaou à ma mère. T'as une maman maintenant? Coucou Gadgetou Moulard. Wateta 2000. Henri, je viens d'avoir une idée du tonnerre. Et si tu allais te suicider là-bas? De ce côté du village, il y a une route qui mène sur la colline des ruines. C'est Tocolico le gardien. Et si tu allais y faire un tour? Tu sais, tu croiseras peut-être le gardien. Ou le doyen. Je reste ici, moi, au cas où le doyen il se ramène tranquille. Bouh. J'ai trop envie de rencontrer le gardien de l'île. Peut-être qu'il apparaîtra si j'embête un Pokémon. Il va te casser la gueule, ouais. L'autre jour, j'ai vu cet enfant embêter un Pokémon. Je lui ai dit que s'il continuait, le gardien ferait tomber la foudre sur lui. Oh, ça m'a fait... Mais ça l'a fait rigoler. Le Kourou de Tocolico. Oh, c'est un gros cabot. Comment tu l'as eu? Dis-moi. Ouah, t'as un Pokémon? Moi aussi, j'en veux un. C'est quoi, ça? C'est à vous, monsieur? Bienvenue à Lily. La ville est protégée par les Pokémon. Ah bah dis donc, la tronche des Pokémon, vive la protection, hein. J'espère que votre Tocorico, il est bon. Hein. N'oublie pas de sauvegarder. Oui, merci. Oh, regardez-moi ce vieux qui est plein de sagesse. Hein. Il a dû jouer à Pokémon bleu et jaune, c'est pas possible. Le doyen nous apprend comment vivre avec les Pokémon. Se passera quelque chose sur le pont. Non, c'est pas moi, c'est un autre Ori.
C'est le Ori d'une autre dimension. Pectorius, le doyen de Mélémélé, est le CEO dresseur le plus balèze de l'île. Prof Naze, on sait que le doyen s'appelle Pectorius, mais arrêtez de spoiler, c'est pas bien. Et aussi le plus demandé, du coup, il est très occupé. Il est en train de régler un problème. Ouh. Oh, c'est des triangles de Zelda. Il spoil aussi d'autres jeux, j'aime pas ce jeu. Je le déteste. Bonjour madame. Bienvenue rendre hommage au gardien de l'île. J'espère qu'il acceptera de te voir. Mia. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous capturer Tokoriko? Oh, la sauvegarde en bas à gauche. On verra ça après. À la deuxième partie. Quand on aura fini, quand on aura vraiment commencé notre aventure. Là, on est encore à l'intro. Je sais, je sais. Arrête de t'agiter. Nous allons aux ruines, promis. Mais s'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons de gros soucis. Il y a quelque chose de différent, parce qu'avant, je crois que Forb, il nous parlait justement d'une assistante, mais là, pour l'instant... C'est pas que je spoil, mais je spoil. Après tout, c'est le jeu des millions de spoils depuis le début. Oh mon dieu, une boule de poil. Ah, une boule de je sais pas quoi d'ailleurs. Mais... Des piaf à bec sauvage. Ça me dit quelque chose ça. Ne pas aller sauver, on est d'accord. Je suis une fille trop fragile, moi aussi j'ai peur des ponts. J'ai peur des Pokémon. Regardez, j'ai Monsieur Molarman. Ça va pas? J'ai besoin de ton aide. Sauve Doudou, t'en prie. Ah, Doudou! Non, comment il sait mon ancien surnom? Les Piaf à bec sont en train d'attaquer. Je ne suis pas dresseuse, je ne peux pas l'aider. Mais toi, tu dois pouvoir faire quelque chose. Je t'en supplie, aide mon pauvre petit Doudou. Je vais soigner ton Pokémon pour que vous puissiez vous défendre. Il va pas. C'est un piège. Ce pont n'est pas stable. Je répète. C'est une voix dans ta tête qui vient du futur ou du passé. Au choix. Fais-moi confiance. Ne va pas prendre dans le pont. Même s'il y a tout le monde qui t'empêche d'aller autre part, ne va pas sur le pont. Je t'en supplie. J'ai fait à peine un pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le Piaf à bec vous harcèle. Attaquez doucement. Attaquez pèse en fait 85 000 kilos. A détruit le pont. Avec Doudou dedans. Enfin dessus. Molarman, blablabla. Oh, poursuite. Faut pas être dresseuse pour donner des patates à un Pokémon. Des coups de pied comme ça, paf paf paf. Bien placé. Mais on n'est pas dans la série animée, voyons. On n'est pas la Team Rocket, on n'a pas besoin de... Le genre de truc où t'as pas besoin de Pokémon pour capturer. Oh non, j'espère que les Piaf à bec se décourageaient. Donc elle découragerait. Oh que faire, que faire. Je t'en prie, va sauver Doudou. Mais fais attention à toi, le pont suspendu a l'air fragilisé. La nana bonne. Oula. Attention. Je me suis cassé un ongle. Deux ongles. Deux ongles d'orteil. Droite gauche. Droite gauche. Le chemin. Oh non, pas la scène. Pas la scène du pont. Dès que mon premier jour à nouveau. Aïe, j'ai mal.
Oh non, ça retombe. C'est du déjà vu. Décidément. Le vilain doudou. Oh, quelle frayeur. T'as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs. Mais enfin, tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrivais même plus à bouger. Je ne veux plus jamais te revoir comme ça, doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois. Et dire que moi, je ne suis même pas capable de te protéger. Ouais, mais il s'en fout, ça. Et doudou, quoi. Qu'est-ce que c'est? On parle de Tokoriko, défonce cette caisse avec au passage. Non. Moi, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux pour la deuxième fois. Et c'est bon, hein, c'est un jeu qui est cardiaque. J'ai trouvé une pierre qui brille, doudou. Elle est tiède. Merci pour ton aide. Merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle. Mais t'es qui? C'est toi, Pectorius. Bloom, mais pas à ce point-là, quand même. Je m'appelle Lily. Cette pierre te revient, je suppose. Oui. Vous recevez la gemme lumière. Vous savez pas à quoi ça sert, mais ça fera un souvenir. Pourrais-je te demander de ne pas parler de ce Pokémon à personne? Je voudrais que tu gardes tout ça secret. C'est vraiment important. Doudou, rentre vite dans le sac. Nos trois Pokémon sont morts et c'est pas grave. Non, non. Juste un peu cabossé et éparpillé. Et eux peuvent survivre à une chute mortelle, pas moi. Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'au village? Mais j'ai frôlé la mort! C'est ça d'avoir choisi une blonde. Suicidaire. Bon, allons-y! Je t'agrippe les caps. Mais non, mais non. Petite ellipse plus tard. Bah alors, Miss, c'est pas le doyen que t'as débusqué, mais la petite Lily, mon assistante. Ah bah voilà. Et lui, il se marre. On en parle que j'ai failli mourir. On en parle de Doudou. Je suis une blonde, je sais pas garder les secrets, moi. T'étais pas avec le doyen, ma grande? Monsieur Pectorius avait affaire, il a dû s'absenter. J'en ai profité pour aller faire une balade sur le sentier de Mao Mao. Et du coup, tu es tombé sur notre nouvelle recrue. J'ai pas vu que c'était fort. Ori est arrivé à Lula, pas plus tard qu'hier. Tu sais, j'ai mis sa photo partout, sur les îles, sur les centres Pokémon. Tout le monde est au courant. Tout le monde a ma photo. C'est dégueulasse. Espèce de sadique. Compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Oh, tu connais le professeur Ufford? Ouais. Je sais qu'il a traîné ma photo partout sur... sur Alola, donc... Bien, ma foi, enchanté. Le doyen est de retour. On va pour Pectorius. Il a pris 23 000 kilos. Oui, c'est un Pokémon, ouais. Tremblement de terre. Ils sont KO plus paralysés et tombent dans la rivière. Tu vois vraiment qu'ils ont une chance de survivre? Ouais, sur un malentendu. Tout passe sur un malentendu. Ils sont écrasés par terre. On voit leurs fossiles. Ouais, mais ils sont encore vivants. Eh bien, eh bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pectorius, t'étais passé où, man? Encore des soucis à régler? Mon bon Ufford. Figure-toi que je me suis retrouvé embringué dans un combat de rocabo. Quelle histoire? Ma petite Lily, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Tokoriko s'envoler par-dessus la canopée. Oh, monsieur Pectorius,
C'est mon petit doudou. Ok, est-ce qu'on en parle du fait qu'elle m'a demandé de garder Doudou en secret et que là elle est en train de se... Non. On en... Bon. C'est juste deux blondes qui sont en train de se justifier de comment Tokoriko est apparu, mais c'est tout. Il était sur le plus fondu, il s'est fait attaquer sauvagement par des piafabecs. Maintenant ils sont morts! Ils sont morts, les piafabecs, ils sont morts! Heureusement, Henri s'est porté à son écorce sans hésiter. Et le vieux pont s'est brisé à ce moment-là. Il a failli mourir! Pardon, c'est une fille. Elle a failli mourir, c'était trop génial. Et Tokoriko est intervenu, il a tué les piafabecs, ils sont morts! Ils sont morts! Leur chance, c'est Gardani, il est arrivé. Ouais, là, je l'ai dit. Wouah, c'est trop bien! Forme! Et un peu pitié de moi, merde, j'ai failli mourir. Et j'ai fait, wouah, t'es trop génial! T'as vu, t'as failli mourir! Oh, c'est trop bien! Et les piafabecs, ils sont morts! Oh, trop cool! Oh, les Pokémon sont nos amis! Butons-les! Ma foi, Tokoriko est pourtant un gardien bien capricieux. Il a décidé de les sauver. Et que notre jeune homme en valait plus la peine que ses trois piafabecs, ma foi! Mon cher Reforme, voilà une bien bonne nouvelle! Peggy 3. Ça part en couille. Je vois que cette jeune fille au cœur tendre et vaillant est déjà une dresseuse formidable. Ah, il a chuté d'une chute de 50 mètres de haut. C'est génial cette dresseuse, j'adore. J'achète. Tu l'as dit, Buffy. Enchanté, ma petite. Je suis Pectorius, doyen de Mêlée. Bienvenue à Alola. J'espère que tu te plairas ici. La forme m'a beaucoup parlé de toi, m'a montré sa photo partout. Elle me l'a mis là, 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 là-haut, en bas, en gauche, à droite. Il me l'a placardé partout dans le frigo. Je suis content de te faire ta connaissance. Doudou, tu es incorrigible. Le professeur et Monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger, mais en temps normal, évite de sortir du sac, d'accord? Doudou, rentre dans le sac tout de suite! Dirais que Doudou t'aime bien. Tu sais, j'ai dit que les Pokémon adorent quand on les caresse et qu'on s'occupe d'eux. Ouais, bah, pas avec mon Kourou. Plutôt mourir que de caresser un otaquin. J'ai un super cadeau rien que pour toi, Ori. Vous avez reçu un Pokédex. Waouh. Le Pokédex est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos d'Otaken devraient déjà être enregistrées. Jette-y un coup d'œil. Ah, c'est ton pote, dresseur. Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Bon, tu veux peut-être rentrer maintenant, Miss. J'ai vu le doyen, donc c'est tout. Allez, au revoir, bonne nuit. À bientôt. Bon, bah, direction la maison. Hé, hey, Ori, attends. Ouais, tu me caresseras pas? Tout mourir. Où étais-tu passé, Tilly? Tu es constamment en train de courir partout. Et moi, je suis jeune, pas toi, pépé. T'es toujours en train de te balader, toi aussi, pourtant. C'est de famille. Hein? Un instant, Henri. Et petite voleuse, j'ai vu un truc qui brille dans ton sac. Laisse-moi regarder ça. Je l'ai trouvé par terre. Tombé du camion. Oh, d'un petit bonhomme. C'est si grave que ça, mais c'est juste un caillou, quoi. Arrêtez. Mais cette pierre. Ils sont pas contents. Voleuse. Dégage. Ma petite Ori. C'est bien Tokoriko qui t'a sauvé tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Il m'a pas donné de pierre. C'est lui qui me l'a donné. Une honte. Non, je te caresserai pas. Je veux dire. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus, il a donné ça. Je vois. La venue à Lola est peut-être un signe du destin. Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. C'est un gros dégueulasse, ce Pectorius. Tu es... rochophile. En tout cas, tu as toutes les qualités d'une dresseuse hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain. Ça me ferait très plaisir. Non, tu mourras de faim. Allez, Miss, il est temps de remballer Lily. On rentre aussi. Et garde un œil sur ton petit protégé.
C'est pas le moment qu'il se fasse encore la malle. Ouais, on parlait de doudou, on parlait pas d'otaquin. Tant mieux. Oui, je ferai attention. Je vais t'emmerder toute la aventure. Entendu, doudou? Allez, allez. Dans le sac. Suffit. Oh, un cornet vient de faire des fiantés sur le toit. Maman, regarde, j'ai un Pokémon. Oh, déjà de retour? Alors, le doyen, de quoi a-t-il l'air? Gros et vieux. Oh, mais qu'est-ce que je vois? C'est ton Pokémon? Non. Il est trouvé par terre. C'est bon, en plus. T'as un caillou dans ton sac, c'est contre la loi. T'as pas le droit de ramasser le sable que tu trouves sur la plage. C'est interdit. C'est vrai, en plus. Pas loin. Comme il est chou. Dis qu'il s'est lancé à ton secours. Oui, sur la route 1, pas sans hésiter. Plutôt. Oh, c'est trop beau. Un coup du destin, ça. Former la paire parfaite, toutes les deux. Non, je te coupe tout de suite, maman. Tu me dis encore une seule fois que mon taquin et moi, on est fait ensemble. Et je le balance par la fenêtre. Et je prends Miaou, ça, à la place. Maman est aux anges. Miaou, il vient de griffer au taquin. Tant mieux, ouais, bien. Ta gueule. Je vais être un très bon dresseur pour lui. Le lendemain... Oui, le destin nous unit, non? Oh, quel splendide coucher de soleil! Oui, parce que nous, on est des animaux nocturnes. C'est-à-dire que j'ai tous les cartons à déballer. Ouais, 3 mois plus tard, il y aura toujours les cartons, non, t'inquiète pas. On sonne. Est-ce que tu peux ouvrir, Ori? Eh ben non, j'ouvrirai pas. Pas tout de suite, j'ai encore pas mal de trucs. Non! Non, dégage! Il est trop gros. Ah. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait peur! Rentre dans ta Pokéball, tout de suite. Et vous avez de la chance, vous avez l'écran du bas, donc c'est en tout petit, mais moi c'est en énorme. Alors on a quoi? Des passes dresseurs. L'aventure commence. Numéro identifiant, 4-5-3-5-6-5. J'ai 5100 Pokédollars, il y a 15 pages comme la dernière fois. Donc on sait à quoi servent les premières pages. J'ai un Pokédex. Un Pokédex qui me montre un Flamiaou, un Otaquin, un... même pas Brindibou. Un Wachitata. Un Laporeil qui est le numéro 24, c'était pas avant. Et tout en bas, on a un Piafabé qui est le numéro 87. Et dans le Pokédex de Mélémélé, il y a 5 Pokémon. Dont énormément. Wouah! J'ai demandé des Pokémon d'Alula, pas des Pokémon nationaux là. C'est un Pokédex national. Wouah! Énorme. Mon équipe. Je vous présente pas Kourou, c'est un connard. Le sac. Oh Doudou, qu'est-ce que tu fais là, Doudou? C'est pas avec. Non, pas de Poké détente. Je vois que ça remue là. Ça fait peur. Bon, allez, t'es quelle nature? Timide. Hein. Ah ouais, ça fait. Waouh. Ah ouais, ça. Là, il y a tout déjà. C'est cool. Sauf qu'on voit pas. Il est naïf. C'est énorme. Bon, allez, on va sauvegarder. On va s'arrêter là pour cette première partie. Ah, j'ai un Otaka naïf. Il a pas compris, en fait, depuis le début que je voulais pas lui. Donc, en gros, on va partir sur des bons trips. On va faire bon délire. Hein. J'ai eu dire t'es une grosse merde. Le mec, il va être naïf en mode... énorme. Je t'aime, moi aussi. Mais enfin bref, ça y est, ça va faire une heure qu'on a déjà commencé, donc on est obligé de faire la première pause. Je vous dis à tout de suite les gens pour la suite.